abandonner toutes ses certitudes et plonger dans l'obscurité. Cette enquête sur le fluor a démarré ainsi. En tentant d'oublier tout ce que je croyais savoir de ce produit apparemment inoffensif. C'est aux archives des aciéries Schneider du Creusot que j'ai trouvé le premier élément confirmant nos doutes. Un rapport datant de 1970, intitulé « Pollution ». On y parlait du fluor, ce minerai utilisé entre autres pour faire fondre l'acier dans les hauts fourneaux et de fumée toxique. On y voyait des clichés de vaches atteintes d'un mal mystérieux, la fluorose. Une maladie apparemment causée par le fluor. Dans la région, de ces fumées rouges gorgées de fluor qui emplissaient le ciel avant de retomber dans les prés, peu de gens se souviennent. Sauf quelques anciens comme François Drozdowski, un retraité de ces aciéries voisines de son domicile. Il y avait des bêtes, enfin des vaches charolaises, pour ainsi dire, et qui mangeaient à longueur d'année dans ces prés. Et au bout de certaines années, on s'aperçut que les vaches étaient malades, on dit que les bêtes crevaient, quoi. Et ça commençait par un déchaussement des dents, et puis ensuite tout ça amenait à une dégradation complète de l'animal. Comment un produit si anodin pour la plupart d'entre nous peut-il s'avérer si nocif? Aberration, aveuglement, ce questionnement a tracé le sillon de cette enquête dans plusieurs pays. Un peu partout dans le monde, des alarmes avaient été tirées. Mais c'est en 2010 seulement que l'OMS a choisi de classer le fluor comme l'un des 10 produits chimiques posant un problème majeur de santé publique, à côté de l'amiante, de l'arsenic ou encore des dioxines. Il s'avère toxique dès 1 mg par jour pour les enfants et 4 mg pour les adultes. Et très vite, la dose maximale est atteinte car on en décèle dans bon nombre de produits. Plus surprenant, associé au carbone sous forme de gaz, on le retrouve aussi dans nos poils, nos vêtements, nos boîtes de pizza. Et là, même à très faible dose, leur toxicité est jugée extrêmement préoccupante par les scientifiques du monde entier. Un professeur connaît le fluor plus que quiconque pour en avoir fait l'objet de sa thèse. Anne-Marie Musset dirige aussi l'un des plus grands pôles de chirurgie dentaire de France. Bonjour, Rebecca ? Oui, vous venez avec moi ? Oui, bien sûr. Ici, à la faculté de Strasbourg, il lui arrive de voir régulièrement des problèmes d'intoxication au fluor, voilà, venez. Et ce pour une raison assez celui-là, déconcertante. Voilà, voilà, tu vas aller là. Alors, pour le dentifrice, qu'est-ce qu'on met comme dose, vous savez ? Enfin, moi, habituellement, je mets sur la longueur de la... De la brosse. De la brosse. Parce que c'est ce que vous avez vu. Hein ? Tout à fait. Voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut mettre, c'est ce qu'on appelle un petit poids. C'est pas au millimètre, hein, donc on va mettre... Voilà, vous voyez, on met une boule. Voilà. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup moins que... Hein, c'est beaucoup moins que ce que vous mettez. Oui, moi, je pensais qu'il fallait mettre... C'est pas la peine d'en mettre plus. Le professeur Musset sait pourquoi la dose petit pois sur les tubes de dentifrice pour enfants a été imposée aux fabricants lors d'une loi, en mars 2009. Et de rincer. Toujours faire attention qu'elle avale pas, hein, surtout les plus petits. Voilà. Les fluoroses qu'on voit en France, pratiquement 80% des cas, c'est des enfants qui ont avalé du dentifrice à trop forte dose. Les fluoroses, nous y revoilà. Ce mal mystérieux qui affectait les bovins du Creusot dans les années 70 affecte aussi les hommes. À très forte dose, le fluor entraîne de graves problèmes osseux. À moindre dose, il provoque ce qu'on appelle une fluorose dentaire. Ça, c'est une fluorose typique,
Alors, on voit les lignes blanches, horizontales, qui sont sur toutes les dents. C'est un émail poreux qui est dégradé, qui finit par se détruire. Vous voyez, là, il y a un petit trou. Là aussi, il y a des petits trous. Et puis là, il y a des nuages blancs qui peuvent se rejoindre. Et comme cet émail est poreux, il finit par se colorer secondairement. Donc, c'est une coloration brune, mais qui ne part pas, qui se met dans cette espèce de craie poreuse de l'émail. Alors que le fluor est censé protéger les dents, il se produit donc exactement le phénomène inverse lorsqu'il est ingéré en excès. Et les sources d'intoxication peuvent être multiples, car du fluor, on en trouve dans beaucoup de choses. Dans un grand nombre de sels de table, dans le dentifrice, dans certaines eaux en bouteille, parfois dans l'eau du robinet. Et très vite, on peut dépasser la dose maximale recommandée. Voilà pourquoi depuis 2008, les eaux en bouteille contenant plus de 1,5 mg de fluor par litre sont dans l'obligation d'indiquer qu'elles ne conviennent ni aux nourrissons, ni aux enfants de moins de 7 ans. Nous en avons recensé au moins 6, presque toutes gazeuses, qui dépassent ce seuil. L'idéal, c'est quand même d'emmener tous vos enfants une fois par an. Lorsque le professeur Musset reçoit ses patients et juge nécessaire de leur prescrire du fluor pour lutter contre les caries, elle pratique donc systématiquement ce qu'elle appelle un bilan d'apport fluoré. Qu'est-ce que vous prenez comme eau à la maison? Vous prenez l'eau du robinet ou vous prenez de l'eau pour boire? Pour boire, non, on utilise de l'eau en bouteille. Et vous utilisez quelle eau en bouteille? L'eau cristalline. La cristalline, oui, toujours la cristalline. Toujours la cristalline. D'accord, et qu'est-ce que vous avez comme sel à la maison? Le sel de table, hein, c'est classique. Le sel de table, le sel de table iodé? Oui. Oui, vous prenez le sel qu'il y a. Oui, vous n'avez jamais pris de sel fluoré? Non. En fait, le fluor, il agit à une dose très précise, en fonction du poids de l'enfant. Si on est un peu trop bas, genre 0,7 mg, il ne sert à rien. Et si on est à 1,2, 1,3 mg, c'est trop et on a de la fluorose. Donc, il s'agit vraiment de donner exactement ce qu'il faut, ni plus ni moins. Moins, ça ne sert à rien, et plus, ça peut faire des fluoroses. Rebecca, tu me montres tes dents? Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si tous les médecins réalisaient ce bilan. Rebecca sécherait ses larmes après la grosse frayeur du dentiste, rentrerait chez elle, et mon enquête s'arrêterait là. Mais vous vous en doutez, il y a ici matière à continuer. L'étude qu'a réalisée le professeur Musset il y a quelques années a montré que chez les 4 à 12 ans, par exemple, plus de 40% des médecins prescrivaient des gouttes de fluor à ses enfants sans jamais réaliser ce fameux bilan. Résultat, chez ces 4-12 ans, il y avait près de la moitié, 45% des enfants, qui avaient trop d'apport de fluor. Tout d'abord parce qu'ils avaient pour 13% une prescription qui ne correspondait pas, qui était beaucoup trop importante pour leur poids et leur âge, ou alors du sel et la prescription, ou alors de l'eau, du sel et la prescription. Pourquoi les médecins sont-ils si prompts à délivrer du fluor? Par méconnaissance, à moins qu'ils n'aient été abusés par certains industriels. Des industriels qui, il y a près d'un siècle, ont remué ciel et terre pour rendre populaire ce qui n'était au départ qu'un poison embarrassant. C'est Alcoa qui, dans les années 30, va s'arranger pour donner ses lettres de noblesse au fluor. À l'époque, le géant de l'aluminium aux États-Unis a un problème majeur. Il utilise le fluor pour extraire l'aluminium et cela génère des fumées toxiques. La menace de procès résonne. En 1931, la compagnie se met alors à enquêter discrètement sur des cas de fluorose dentaire autour de son usine de Masséna dans le nord du pays et en fait état dans un courrier interne confidentiel. Nous avons questionné 3 dentistes locaux sur le nombre de leurs patients présentant un émail tacheté.
Tous ont indiqué avoir eu à traiter ce genre de cas. Cette lettre, deux hommes ont eu également l'occasion de la lire. Christopher Bryson, un journaliste d'investigation qui a passé 10 ans de sa vie à enquêter sur le sujet. Et Paul Connett, un militant anti-fluor aux États-Unis, qui sait comment Alcoa aurait manœuvré pour éviter les poursuites judiciaires liées à la pollution au fluor. Le problème pour l'industrie, c'est que si le polluant est un biomarqueur, ensuite, il est plus facile lors d'un procès de convaincre un jury que la compagnie est responsable d'autres problèmes de santé. La fluorose dentaire n'était pas un enjeu judiciaire énorme. Mais si vous causez des dégâts aux os de quelqu'un, si cela occasionne de l'arthrite par exemple ou des problèmes thyroïdiens, là vous pouvez être attaqué en justice. Je pense qu'Alcoa savait tout cela lorsqu'ils ont découvert que le fluor était la cause de fluorose dentaire. Dans les usines d'aluminium, le fluor était un poison qui tuait des gens. Cela causait aux travailleurs toutes sortes de problèmes de santé. Et autour de ces usines, les animaux et les gens étaient empoisonnés. Alcoa avait besoin d'arguments pour pouvoir se défendre face aux tribunaux. Ils avaient besoin de quelque chose de positif à dire à propos du fluor. La réponse à son problème, Alcoa va la trouver à l'Institut Mellon, un laboratoire de sciences appliquées de Pittsburgh que le géant de l'aluminium a lui-même créé pour servir les intérêts des industriels. L'Institut a déjà été utile pour légitimer l'amiante, par exemple. En 1935, un scientifique, Gerald Cox, y travaille. Il réalise une étude sur les dents en utilisant des rats de laboratoire. Un homme va sortir de l'ombre et venir à sa rencontre. Il s'appelle Francis Frary, il est le directeur de recherche d'Alcoa et va fortement suggérer à Cox d'introduire le fluor dans son étude. Nous avons donc le chimiste en chef d'Alcoa qui suggère à Cox, sur son expérimentation animale, de voir si le fluor serait bon pour les dents. Clairement, il pensait, nous devons trouver une utilisation bénéfique du fluor pour compenser ce que l'on en sait, à savoir que ce n'est pas bon pour la santé. Le scientifique du Mellon Institute commettra l'imprudence de reconnaître que son étude a bien été influencée par Alcoa. Cela des années plus tard, dans une correspondance qu'il entretient avec un historien. La première fois que j'ai réfléchi au fluor, c'était en réponse à une question du docteur Francis Frary, le directeur de recherche d'Alcoa. Le poison vient de devenir un remède. L'Institut Mellon annonce 4 ans plus tard dans une revue scientifique que le fluor est probablement l'élément permettant aux dents d'être plus résistantes à la carie. En quelques années seulement, grâce à la suggestion de Francis Frary d'Alcoa, la perception du fluor est passée de celui de poison à quelque chose de bon pour les dents. C'est ainsi qu'une petite manœuvre a fabriqué la grande histoire du fluor. Plus personne ne songera à le remettre en cause pendant des décennies. Après la guerre, on va en mettre dans de nombreux produits. Dans l'eau potable dans certains pays, dans le sel, dans le chewing-gum. C'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Dans Fluogum, il y a du fluor. Et le fluor, c'est bien pour les dents. C'est au fluor, Fluogum. Et bien sûr, dans le dentifrice. Donnons naissance à des pubs qui vont marquer des générations entières. Le fluor devient cet ami qui vous veut du bien. Allant même jusqu'à devenir le vecteur candide du grand amour, mieux vaut en rire qu'en pleurer. La France va aussi massivement prescrire du fluor aux enfants sous forme de comprimés et aux nourrissons sous forme de gouttes dès la naissance. Bon, ouvre ta main, chérie. Voilà.
Jusqu'à ce qu'en 2008, le professeur Goldberg et plusieurs experts de l'Agence française de sécurité des produits de santé demandent aux médecins de faire machine arrière à la stupeur générale. On a eu une réunion avec le groupe de pédiatrie dans lesquelles, quand on leur a annoncé ça, ils nous ont regardés comme si on était des zombies, comme si on était des gens qui venaient de la dernière pluie, et en leur disant « mais maintenant vous allez arrêter ». Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a donné ces fameuses petites gouttes-là de fluor et de comprimés. N'importe quoi, n'importe comment. Et là, c'était quand même, ça posait quand même un certain nombre de problèmes. Et les pédiatres ont usé et abusé, et les dentistes ont usé et abusé de supplémentation en fluorure. Remettre en cause la religion du fluor n'a pas été facile. D'autant qu'à l'époque déjà, le professeur Goldberg ne mâchait pas ses mots. Mais des erreurs médicales, on en a plein. Hein? Bon, pour vous, c'est une erreur médicale d'avoir dit que le fluor... Je pense que c'est une erreur médicale d'avoir mis du fluor à toutes les sauces, bien sûr. Bien sûr. Mais les instances médicales n'ont pas été les seules à se fourvoyer. Certaines autorités sanitaires, elles aussi, auraient fait preuve d'un certain laisser-faire face à ce poison. Ce matin-là, les vignes du Bordelais étaient baignées par les premières lueurs du jour. C'était si beau qu'on en oubliait presque qu'ici le sol n'est pas si amical que ça. Présent à l'état naturel dans la roche des sous-sols, le fluor contamine l'eau au-delà de la limite réglementaire. Il y a quelques années, une habitante de la région a tiré la sonnette d'alarme. Cette mère s'est aperçue que pendant des années, sa famille avait bu cette eau non conforme sans avoir été mise en garde et que sa fille avait développé une fluorose dentaire. J'attrapais mon pichet ou ma bouteille d'eau et puis je remplissais ma bouteille à l'eau du robinet. Et Léa était une petite fille qui buvait énormément d'eau. Donc elle avait un biberon d'eau la nuit à côté de son lit, elle buvait que de l'eau d'eau. Du robinet, parce qu'ici, on n'est pas très soda, très donc voilà, elle buvait énormément d'eau. J'aime pas avoir des dents moches quand je viens, j'arrive au collège, donc je regarde souvent dans la glace. Des taches blanches, des dents qui s'effritent et se colorent par endroits. Une fluorose légère de stade 2, constatée par un expert. Et là, quand tu te regardes dans la glace et que tu regardes tes dents, qu'est-ce que tu en penses ? Mais que j'aime pas mes dents. Parce que elles sont... Il y a les taches qui sont pas belles, qui ressortent plus la journée, donc c'est dérangeant. Tu parles ? Non, là. Voir tes dents. Encore des petits trous là, hein, sur le côté. Hein. Ah, mais c'est moche. Mais oui, mais t'inquiète, t'es très belle. Non. Si. Non. Si, t'es très belle. Non. Cette fluorose irréversible est lourde à porter pour cette adolescente. Mais elle a échappé au pire. Car une vingtaine d'études à travers le monde indiquent aussi que l'eau fluorée entraînerait des retards neurologiques chez les enfants. Tu expliques, la plongée en apnée, qu'est-ce que c'est ? Ah, ok. Depuis longtemps ici, le syndicat des eaux délivre une eau non conforme qui dépasse régulièrement le seuil de 1,5 mg par litre pour les enfants. Pourtant, jusqu'en 2010, les habitants vont recevoir des bilans de qualité des eaux n'indiquant aucune mise en garde. Alors, j'ai gardé des vieux bilans. Et donc là, par exemple, en 2005, donc, on avait déjà une non-conformité pour le paramètre fluor. On avait un taux à 1,97. Là, sur le bilan 2006, teneur moyenne de 0,5, donc toujours non-conforme aux limites réglementaires pour le paramètre fluor. Mais ça, cette ligne, ça ne vous disait rien à l'époque ? Ben, disons que pour moi, ça n'avait aucune signification particulière. D'ailleurs, le mot conforme, qu'est-ce que ça veut dire ?
donc non conforme. 2009, toujours non conformité. Et comme par hasard, le jour où on s'est rendu compte que ma fille avait une fluorose et qu'on a commencé à s'intéresser au sujet, donc on a fait des démarches et de suite après, on reçoit un bilan où là, il y a marqué des restrictions. Donc restrictions pour les enfants de moins de 12 ans et restrictions par rapport à la population adulte qui lorsqu'elle consomme cette eau, ne doit pas prendre de sel fluoré ou de médicaments fluorés ou de dentifrice fluorée. Alexandra Thébault a porté plainte. Car selon elle, la situation était connue par l'ARS, tout comme par le syndicat des eaux, depuis des années. Et donc c'est un courrier qui date de janvier 2010, de l'ARS en fait, donc un courrier qui est pour le syndicat des eaux. Mes services vous ont demandé par courrier en date du 19 février 1999, d'étudier des solutions permettant de satisfaire aux exigences de qualité relatives aux fluorures. Donc finalement, moi j'étais vraiment persuadée qu'ils n'étaient pas au courant et que c'est pour ça qu'ils avaient laissé nos enfants boire cette eau. Et en fait, en recevant au fur et à mesure tous ces documents, je me suis rendu compte qu'ils savaient. Il y a une loi et la loi n'a pas été respectée. Et on a laissé nos enfants s'empoisonner avec cette eau. Pourquoi l'Agence régionale de santé, le gendarme de l'eau, n'a-t-elle pas prévenu les parents ? Pourquoi a-t-elle laissé les enfants d'une dizaine de communes consommer une eau préjudiciable pour leur santé ? Ce jour-là, Gisèle Desjean nous attendait de pied ferme pour répondre à cette question. Dans le bureau de cette agence sanitaire de l'État, il y avait une belle affiche placardée au mur indiquant les zones problématiques en matière de fluor. Gisèle Desjean avait aussi préparé un tas de documents. Tout semblait sous contrôle. Mais moi aussi, j'avais dans mon ordinateur les documents n'indiquant aucune mise en garde jusqu'en 2010, ceux conservés par Alexandra Thébault. Comment on peut expliquer que sur les bilans 2005, là par exemple, celui-là... Alors... Donc là, on voit teneur moyenne 1,97. Teneur en fluor non conforme. Conclusion sanitaire, vous mettez non conforme aux limites réglementaires paramètres fluor. Mais il n'est rien dit de plus. 2006, il n'y a pas de recommandation non plus. 2007, il n'y en a pas non plus. 2008, il n'y en a pas. C'est toujours non conforme, mais il n'y a pas de recommandation. Donc là, on est d'accord que la mairie aurait dû, ou le syndicat des eaux, alarmer quand même les gens. Ou mettre quelque chose à la mairie ou... Comment ils peuvent savoir ? Moi, je vous dis non conforme en fluor, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle est non conforme. Donc on peut se poser des questions sur le fait de la consommer si elle est non conforme. C'est donc ça. Le gendarme de l'eau a laissé distribuer une eau non conforme et c'était à la population de deviner qu'il ne fallait pas la boire. Ce manque d'information, Gisèle Desjean va malgré tout finir par l'admettre. Donc c'est aux gens, à la population de chercher... Écoutez, je pense que l'information, que ce soit dans ce domaine ou dans tous les domaines, elle a bien évolué. Ça n'était pas forcément Parce qu'on avait ce type de consigne à cette époque-là, il fallait être simple dans nos conclusions, donc on restait sur quelque chose de simple, effectivement, qui n'était pas forcément complet. Pourquoi l'autorité de santé n'a-t-elle pas contraint fermement le syndicat des eaux à distribuer une eau conforme ? Mes questions sont-elles légitimes ou exaspérantes ? Les deux, visiblement. J'avais une question sur une lettre que vous avez envoyée en 2010. Et là, on voit quand même où vous dites « Mes services vous ont demandé par courrier en date du 19 février 1999 de faire quelque chose. » Pourquoi il n'y a pas de mise en demeure du gendarme de l'eau, DAS à l'époque, ARS aujourd'hui, en disant « ça ne va pas, on vous a envoyé un courrier en 99, on est, imaginons, en 2003, vous faites quoi ?» Alors c'était un courrier qui était léger à l'époque, mais qui effectivement mettait l'accent sur le fait qu'il y avait de l'eau déjà avec des dépassements de fluor, et qu'il fallait faire le nécessaire pour reconquérir la qualité de l'eau, effectivement. Mais ce n'était pas assez fort, la preuve, ça n'a pas marché. Ben, ça va marcher. Certes,
il aura fallu attendre 17 ans. En juin 2016, une usine de défluoration sortira de terre à Margaux. Reste qu'en France, selon le ministère de la Santé, de l'eau non conforme en matière de fluor a déjà été distribuée au moins une fois dans 22 départements. Cette boisson en qui nous plaçons notre confiance, ce breuvage consommé par le plus grand nombre, n'est pas le seul à nous réserver bien des surprises. C'est bien connu, les Anglais n'aiment pas faire les choses comme les autres. Voilà pourquoi, à l'université de Derby, deux chercheurs ont décidé de ne pas aller dans le sens du vent et se sont attaqués à une institution dans leur pays, le thé. Ça, c'est un mélange de thé noir mais pur. C'est-à-dire qu'il a été récolté sur un seul et même terroir. Et le thé noir de marque distributeur, c'est le thé où nous avons trouvé une forte teneur en fluor. Le thé, bon pour la santé, c'était avant que les deux chercheurs ne nous apprennent qu'une infusion rime avec profusion de fluor. Pour leur étude, Paul Lynch et Aradhana Mehra ont donc passé au peigne fin une trentaine de marques pour en connaître la teneur exacte. Leur découverte est surprenante. 6 thés sur 10 dépassent le seuil de 4 mg de fluor par adulte et par jour, ce fameux palier au-delà duquel notre santé est menacée. Ce que nous avons trouvé d'abord, c'est que les thés noirs et purs contiennent environ 2 mg de fluor par litre. Ensuite, les thés bleus aux longues, qui sont aussi des mélanges purs, ont une valeur comparable. Les mélanges de thé noir, eux, vendus par les principales grandes marques, contiennent entre 3 et 4 mg de fluor par litre. Le thé vert a des valeurs très comparables. Mais les mélanges de thé noir à bas prix, ceux de marques distributeurs, ont un taux de fluor très élevé, entre 5 et parfois 8 mg par litre. Mais alors, comment le fluor s'immisce-t-il dans nos infusions ? Une petite démonstration vaut mieux qu'une longue explication. C'est un sachet de thé noir de marque distributeur. Je vais peser 2 grammes. J'ajoute 100 ml d'eau. Et vous pouvez le voir, on obtient l'équivalent d'une tasse de thé. Le fluor qui provient du thé se diffuse dans l'eau. Et en 2 minutes, vous avez déjà la majorité du fluor dans l'eau. Ça se passe en très peu de temps. Deux petites minutes suffisent donc à dépasser le seuil de toxicité du fluor. Pour cet échantillon, cela me montre qu'il contient 7 mg de fluor par litre. Ce qui est beaucoup, parce que vous en ingérez plus que la dose journalière recommandée en buvant juste 3 tasses de thé. Donc vous ingérez jusqu'à 150% de la dose journalière recommandée avec ce thé noir de marque distributeur, en 3 tasses seulement. Si, comme moi, vous vous posez maintenant la question de savoir pourquoi le thé à bas prix contient plus de fluor que les autres, il vous faut suivre Aradhana Mehra dans la serre de l'université. C'est ici qu'elle conserve les plants de thé qui ont cette capacité à puiser le fluor dans les sols. Ce qui est récolté dans le thé que nous consommons, c'est le bourgeon et les deux feuilles du haut. Cela fait du thé de bonne qualité, du thé récolté à la main. Mais si on utilise les feuilles du bas, elles vont être plus matures et il y aura plus de fluor à l'intérieur. Pour faire du thé à bas prix, les fabricants utilisent une technique de récolte mécanisée et récoltent donc les feuilles du haut et les bourgeons, mais aussi les autres feuilles plus matures. Et tout ça, quand c'est mélangé, ça donne ce thé économique que vous achetez dans votre supermarché et qui a une forte teneur en fluor. Chez les buveurs de thé anglais, mais aussi américains,
plusieurs études ont révélé des cas de fluorose osseuse. Une maladie où le fluor se met à prendre la place du calcium. Les os deviennent alors fragiles, se cassant sans raison. Les gens ne pensent pas que c'est mauvais pour la santé. Ils pensent que c'est un produit très neutre, que c'est un produit très sain. Mais comme d'autres choses dans notre vie, si on en abuse, si on boit trop de thé, ça peut s'avérer dangereux. Réduire sa consommation de thé, proscrire certaines eaux, quelques sels de table. Après tout, me direz-vous, ce n'est pas si compliqué de bannir le fluor. Mais la bête n'est pas chose à se laisser abattre si facilement. Présent partout sur la planète, il existe un composé chimique qui en est truffé et auquel personne ne peut échapper. Un composé qui provoque des maladies bien plus graves que la fluorose. PFC compounds are chemicals that are used to make outdoor gear waterproof. Many manufacturers of weatherproof jackets, trousers and shoes use PFCs to make their products more water repellent. Voici mon compagnon de route, doté d'un nouveau nom. PFC, alias perfluorocarbure. Greenpeace a lancé un cri d'alarme. Associé au carbone et manié chimiquement, le fluor s'avère extrêmement dangereux. Les scientifiques de Greenpeace sont allés dans les coins les plus reculés de la planète pour prélever des échantillons et partout, ils ont trouvé des PFC. Un composé fabriqué dans des usines disséminées dans le monde entier. During production, those tiny particles not only end up in nearby bodies of water, but are dispersed across the globe as gases or fine particulate matter. They travel with the wind and eventually drift back to Earth. Les PFC font aujourd'hui trembler les scientifiques. En 2013, ils ont été identifiés comme substances dangereuses prioritaires par l'Europe. Ces composants s'accumulent. Cela veut dire qu'ils restent dans nos corps. Ils vont dans nos organes, comme les reins ou le foie, et ils y restent pendant plusieurs années. Oui, ils restent dans nos corps de 2 ans et demi à 9 ans en moyenne. Cet ancien chimiste a fait des PFC sa bête noire. Depuis qu'il a intégré Greenpeace en Allemagne, Manfred Santen travaille sans relâche pour traquer ce qu'on appelle aussi les composés perfluorés. Parce que les PFC se cachent partout dans les produits de notre quotidien, Manfred Santen a entrepris un travail de fourmi. Il y a quelques semaines, il a fait acheter plusieurs dizaines de produits un peu partout dans le monde, afin de les faire tester en laboratoire. Nous avons collecté plusieurs choses. Par exemple, nous avons un sac à dos qui contient peut-être des PFC. Un sac de couchage qui peut aussi en contenir. Ici, nous avons des chaussures. Là, nous avons des boîtes de pizza qui contiennent probablement des PFC dans le but de pouvoir enlever la pizza plus facilement. C'est pour que ça n'attache pas au carton, c'est l'unique raison. Nous avons aussi des moules à muffins en papier qui contiennent probablement des PFC, afin de les rendre résistants aux huiles et aux graisses, et oléophobes. Et nous avons des paquets de pop-corn pour micro-ondes qui contiennent aussi certainement des PFC. Pourquoi les utilisent-ils pour les sacs de couchage? Bonne question. Je ne sais pas, ça n'a pas de sens. Parce que généralement, on utilise des PFC pour son effet anti-tache ou imperméabilisant. Or, qu'un sac de couchage soit imperméabilisé, ce n'est pas nécessaire, parce qu'on ne dort pas sous la pluie. Le sac est toujours à l'intérieur. On n'a pas besoin de PFC dans les sacs de couchage et on ne sait pas si cela peut avoir des risques pour la santé. Par exemple, s'il fait très chaud en été et que les PFC sont dans la tente, ils peuvent s'évaporer et on peut les respirer. Donc ce n'est pas nécessaire. Le composant s'évapore-t-il? Migre-t-il vers la nourriture, par exemple? Des scientifiques planchent sur la question. Mais une chose n'est plus à prouver.
la fabrication et l'utilisation même des composés perfluorés dans les usines éparpillées dans le monde entier ont de graves conséquences sur notre santé. On n'imagine jamais à l'avance les kilomètres que l'on va parcourir pour réaliser une enquête. Tel est-il qu'un jour, je me suis retrouvée au fin fond de la Virginie occidentale à suivre la trace des composés perfluorés dans le pick-up flambant neuf de Paul Brooks. Ce médecin souhaitait me faire visiter Parkersburg et me parler du sujet qui hante les habitants de cette petite ville de l'Est américain. Ici, les PFC, tout le monde les connaît. Les composés perfluorés sont la raison d'être d'une usine de la région. Ça, c'est l'usine là-bas. Pendant des années, ils ont rejeté ce truc dans la rivière. Ils appelaient ça du caca. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des excréments humains, quoi. C'était dans leurs documents, leurs propres documents internes. L'usine qui a secrètement déféqué dans la rivière ce composé à base de fluor, la voici. Bienvenue sur le plus grand site de production au monde de Dupont de Nemours, un géant de la chimie qui a inventé le téflon grâce au PFC. Even burned food won't stick to Teflon, so it's always easy to clean. If it has DuPont, Teflon. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Car derrière l'argument commercial de la poêle qui n'attache pas, se cache une tragédie. Pour produire le téflon, Dupont a utilisé pendant plus de 50 ans un composé perfluoré bien particulier, le PFOA, appelé aussi C8, émettant des fumées toxiques, contaminant les cours d'eau et l'eau potable de toute la région. Il suffit d'une très très petite quantité de PFOA pour que cela cause un problème de santé. Souvenez-vous qu'il faut 4 ans pour éliminer juste la moitié du PFOA de votre corps. C'est malheureusement l'histoire de Parkersburg qui permet aujourd'hui de comprendre l'impact des PFC sur notre santé. Un laboratoire grandeur nature pour tous les habitants de la planète qui, sans le savoir, boivent et respirent des composés perfluorés. Dans la région, l'eau potable a été fortement contaminée. De plus en plus d'habitants sont tombés malades. En 2005, 70 000 personnes ont été invitées à faire des analyses. L'étude a révélé que le PFOA était dans leur sang et souvent à forte dose. Je prends probablement, attendez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 pilules par jour. Il y a 16 ans, la vie de Earl Botkin a basculé. Un à un, les diagnostics sont tombés. Maladie de la thyroïde, taux anormal de cholestérol et surtout colite ulcéreuse. Cette affection qui s'apparente à la maladie de Crohn a fait de sa vie un calvaire. Les médecins suggèrent une ablation du côlon. Earl n'arrive pas à s'y résoudre. Alors il ne mange quasiment rien de la journée pour ne pas être embarrassé pendant son travail. Généralement, je mange juste quelques toasts. Et je bois un peu de café, parfois aussi quelque chose de froid. Mais je ne bois pas beaucoup de jus de fruits à cause de l'acidité. D'habitude, je suis obligé d'aller 2 à 4 fois aux toilettes avant de partir. Son quotidien est un supplice. L'ingestion de tout aliment l'indispose. Pendant la journée, je prends juste un petit tonka, quelques crackers ou quelque chose qui ne me cause pas de désagréments. En fait, le seul repas que je peux faire, c'est le soir. Pendant longtemps, Earl a juste accusé la malchance. La maladie
avait sans doute frappé au hasard. Il a aussi fallu du temps à Gwen, sa femme, pour établir le lien. L'affaire Dupont commençait à faire la une des journaux, mais l'usine était à 70 km de chez eux. C'était si loin. Non, ça ne pouvait pas être ça. Jusqu'à ce qu'en 2005, les époux Botkin reçoivent un courrier. Ils nous ont dit, je me souviens plus de quand ça date exactement, c'était pour le dépistage. Et ils payaient $400 par personne en gros pour que vous donniez votre sang. Tout le monde dans la région y a participé. On est beaucoup à l'avoir fait parce qu'on était payé. On n'avait aucune idée de ce que c'était supposé donner. Donc on est allé faire le premier test, puis le second. Gwen et Earl venaient en fait d'intégrer l'étude menée sur les 70 000 habitants de la région. La plus grande étude scientifique jamais réalisée sur l'homme et le PFOA est menée par 3 épidémiologistes des plus grandes universités américaines et anglaises. En 2012, David Savitz et ses confrères ont rendu leurs conclusions. Elles étaient sans équivoque. Notre mission était de juger s'il y avait un lien ou non entre l'exposition au PFOA et les maladies. Il y a 6 maladies pour lesquelles nous avons établi des preuves qui montrent un lien entre l'exposition et les problèmes de santé. Et cela inclut des maladies cardiaques, plusieurs formes de maladies cardiaques, le cancer du rein, le cancer des testicules, des troubles de la thyroïde, la colite ulcéreuse, qui est une maladie des intestins, et la pré-éclampsie, c'est-à-dire l'hypertension pendant la grossesse. Hey. Salut Orly, ça va? Salut bébé, comment tu vas? Ça va. Tu fais quoi là? J'étais en train de regarder les photos, on en a tellement dans nos albums, c'est dingue. Earl et Gwen se sont engagés dans une action collective contre Dupont de Nemours, comme pour venger cette vie si radieuse avant qu'Earl ne tombe malade. Gwen déclare vivre au jour le jour, s'interdisant de penser à l'avenir. Son mari, lui, imagine le futur comme une tragicomédie. Je vais continuer à prendre mes pilules jusqu'à ce que mon cœur lâche. Gwen, elle, elle va vivre jusqu'à 120 ans. Oui, c'est ça, ou bien jusqu'à 125 ans. Elle va se trouver 2 ou 3 autres gars et ils boiront les bières de mon réfrigérateur. Ouais, c'est ça. Tu peux oublier tout de suite, hein? Non, vous ne pouvez pas ressasser ça, sinon ça vous fout en l'air. Ouais, ça vous maintient en colère, ça vous rend fou. Et ça vous rend dépressif. Dupont savait ce qu'il faisait. C'est criminel parce que... ça me rend fou et ça me met en colère. Oui, Dupont connaissait les dangers des PFC, et même depuis fort longtemps. We are now prepared to destroy more rapidly and completely every productive enterprise the Japanese have in any city. 1945, les États-Unis viennent de larguer la toute première bombe atomique sur Hiroshima. Quelques années plus tôt, a été lancé le Manhattan Project, un projet classé secret défense, chargé de construire des usines dans tout le pays pour produire la bombe. Des ingénieurs y ont trouvé le moyen d'enrichir l'uranium grâce au fluor. Une substance extrêmement corrosive, pour laquelle l'aide d'un industriel va s'avérer précieuse, Dupont et son téflon à base de PFC.
Le fluor était essentiel à la fabrication de la bombe atomique. De grosses, d'énormes quantités de fluor ont été transportées avec l'uranium sous la forme d'un gaz appelé l'hexafluorure d'uranium. Et ce gaz était utilisé pour séparer la fraction explosive de l'uranium de sa fraction non explosive. Ils avaient besoin de camions et de citernes qui pouvaient résister à la puissance corrosive des gaz fluorés. Ils avaient trouvé quelque chose qui soit capable de protéger les métaux de l'influence corrosive du fluor. C'était le téflon. Donc l'expertise de DuPont en matière de fluor était en fait l'arme secrète qui a permis aux États-Unis de construire la bombe atomique. Dans son laboratoire Jackson dans le New Jersey, DuPont a en effet inventé le téflon quelques années plus tôt. Les employés vont ensuite y travailler secrètement pour le Manhattan Project. Mais de sérieux problèmes médicaux apparaissent là où l'on manipule les composés perfluorés. Dans ce document récemment déclassifié datant de novembre 1944 et envoyé au colonel Warren, le chef du Manhattan Project, l'armée s'inquiète de voir l'affaire s'ébruiter. Certains de ces hommes sont clairement des travailleurs indésirables sur ce projet particulier. Ils font passer le mot qu'être transféré dans cette zone revient plus ou moins à un exil sur ce qu'ils appellent l'île du diable. Les délégués syndicaux et les travailleurs eux-mêmes étaient terrifiés car il y avait tant d'accidents qu'ils avaient peur de manipuler ces produits chimiques. Il y avait des morts, de terribles brûlures. Il y avait une forte exposition à ces produits. DuPont savait bien à quel point le produit chimique qu'ils utilisaient pendant la Seconde Guerre mondiale était dangereux. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts et le téflon a fait le bonheur des ménagères. Et puis un jour, des études ont montré que les poêles de cuisson dégageaient des vapeurs toxiques à haute température. Oui, les PFC sont partout. Dans nos poêles, nos couettes, nos moquettes, dans l'air, dans les cours d'eau. Selon une étude des autorités sanitaires, 98% des Américains ont des composés perfluorés dans le sang. Et nullement besoin d'avoir des usines à proximité pour être contaminés. Je vais en trouver la preuve dans un pays a priori exempt de toute pollution, dans un coin de paradis. C'est probablement l'un des endroits les plus somptueux de la planète. Ces îles perdues entre la mer de Norvège et l'océan Atlantique Nord, ce sont les îles Féroé. La vie y serait paisible si des scientifiques n'avaient pas trouvé de PFC dans le sang de la plupart des habitants de l'archipel, mais aussi dans celui des enfants. Pendant 5 ans, ce scientifique a analysé le sang de 650 enfants de l'île. Paul Wayer a alors découvert un mode de contamination qu'il ne soupçonnait pas. Notre surprise a été de découvrir que l'allaitement était important pour comprendre les taux de PFC dans le sang des enfants. En fait, c'était même le principal contributeur de la contamination de ces petits-enfants. À mesure que Paul Wayer s'enfonçait dans son étude, les résultats devenaient toujours plus préoccupants. Il s'est mis à constater que plus les femmes allaitaient longtemps, plus le taux de composés perfluorés augmentait dans le sang des bébés. Ici, c'est un enfant qui n'a pas été allaité très longtemps. Donc, la concentration de PFC n'est que de 5,3. Let's take
Maintenant, prenons cet enfant qui a la plus grande durée d'allaitement. 12 mois. 12 mois d'allaitement exclusif pour ce bébé. Regardons quelle est la concentration du PFC dans le sang de cet enfant. Là, on a 10.1. C'est un taux très élevé. Des chiffres très perturbants. Car le système immunitaire est très vulnérable dans les premiers mois de la vie. Il y a 4 ans, Paloyer a conduit une autre étude sur les enfants et les PFC et constaté justement une forte incidence sur les mécanismes de défense de l'organisme. Nous nous sommes aperçus qu'à chaque doublement du taux de PFC à l'âge de 5 ans, la formation des anticorps baissait de 50% à l'âge de 7 ans. Nous ne savons pas vraiment ce que ça veut dire, mais cela pourrait aller de maladies infectieuses aux plus graves cas de cancer ou d'autres maladies. Cette étude a mis mal à l'aise les femmes de Lille, car ici l'allaitement est une religion. 97% des mères donnent le sein à leur enfant. Yonrit Halling a allaité ses deux fils pendant un an. Mais pour le petit troisième, qui ne saurait tarder, elle ne fera pas pareil, c'est à peu près certain. Je n'aurais pas pu faire autrement à cette époque, car je ne savais pas. Mais maintenant, pour mon prochain enfant, je pense que je vais réfléchir à la durée d'allaitement. Je pense que je vais allaiter 4 mois, peut-être 6, mais pas plus. Il y a quelques années, Yonrit Halling a pu réaliser une prise de sang pour connaître son taux de PFC, parce qu'elle est scientifique et qu'elle effectuait à l'époque une étude sur le sujet. Ce test, nous pourrions toutes le faire, mais il est onéreux car il s'effectue dans des labos spécialisés. Yonrit Halling n'a pas été surprise de découvrir qu'elle était contaminée, comme le sont probablement toutes les mères de la planète. Désormais, les PFC hypothèquent le bénéfice de l'allaitement. C'est une honte, car l'allaitement est la chose la plus naturelle qui soit. Et cela reste la meilleure chose pour un bébé. Pour chacun d'entre nous, il est très difficile d'éviter cette exposition au PFC. Si vous achetez des vêtements ou des chaussures pour enfants, c'est très difficile de les éviter. Difficile, mais pas impossible. Il y a 5 ans, Adidas a été sévèrement tensé par Greenpeace. À travers cette campagne internationale appelée « Détox », le mouvement écologiste cherchait à contraindre la marque ainsi que Nike à stopper l'utilisation de produits chimiques dangereux, dont les PFC. Au siège d'Adidas, en Allemagne, vous ne trouverez personne pour vous dire que c'est cette campagne qui a poussé la marque à changer ses produits. Mais après tout, qu'importe. Le groupe est l'un des premiers à s'être attaqué au PFC. Cela méritait donc bien une courte visite. Steve Richardson s'est fixé le 31 décembre 2017 pour faire une gamme à 99% sans PFC. Et il s'est déjà attelé à la tâche. La plupart de nos produits ne contiennent pas de PFC. Par exemple, certains vêtements d'extérieur ou encore ce t-shirt. Il y a aussi les maillots de foot ou bien les tenues pour la lutte ou pour le tennis. Ils ne contiennent pas de PFC. Mais une partie de la gamme, comme les vestes de plein air, les vêtements de ski ou bien les maillots de bain, lui donnent encore du fil à retordre. Sur ces produits en contact parfois permanent avec l'eau,
se passer des PFC entraîne une réelle perte d'efficacité. Nous avons fait fabriquer cette veste avec une moitié sans PFC et l'autre moitié avec PFC, afin de les comparer dans les mêmes conditions d'utilisation. Nous avons demandé à des athlètes de les porter sous la pluie, et voici ce que nous avons pu voir. Lorsqu'on pulvérise de l'eau sur le côté sans PFC, ça commence à pénétrer et imprégner le tissu rapidement. Alors que de l'autre côté, sur la partie contenant des PFC, l'eau glisse sur la surface pendant bien plus longtemps. C'est très difficile de trouver un produit de remplacement qui fonctionne. C'est pourquoi nous travaillons avec l'industrie chimique et même avec d'autres marques pour essayer de trouver une solution qui satisfasse nos consommateurs. Ces recherches longues et coûteuses, la plupart des industriels n'ont pour l'instant pas pris la peine de les réaliser. Lors de mon tournage, Greenpeace a reçu les résultats de ces échantillons. Et la pêche au perfluoré s'est malheureusement avérée très fructueuse. Sur 40 produits, 4 seulement n'en contenaient pas. Celui-ci a été analysé. C'est un pantalon acheté en Russie. Et nous avons trouvé des PFOA en grande concentration, 12 mg par mètre carré de tissu. C'est beaucoup parce que nous pensons qu'il ne devrait pas y en avoir plus de 1 mg. Depuis quelques années, plusieurs pays demandent que le PFOA soit définitivement banni. Pour contourner la future interdiction, des industriels l'ont déjà remplacé par d'autres composés perfluorés en assurant que cela, oui, vraiment, n'était pas dangereux. Le combat est encore long, mais nécessaire, pour parvenir à débarrasser la planète de ce compagnon toxique autorisé. Une étude française révèle que 45% des 4-12 ans ont des apports excessifs en fluor, un excès qui peut entraîner des problèmes de santé graves. Plus inquiétant encore, le dérivé du fluor, le PFC qu'on retrouve dans de nombreux objets de la vie quotidienne, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Comment réduire leur utilisation? On en parle avec nos invités, Laurent Chevalier, médecin nutritionniste, et Nicolas Defarge, chercheur biologiste spécialiste des perturbateurs endocriniens.